Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus. On est reparti plutôt. Pour plus de. J'allais dire Elden Ring, je sais pas pourquoi. Le cerveau il fait ce qu'il veut au bout d'un moment. Odyssée. Donc on a plusieurs choses qu'on a vues. On avait vu une sorte d'arène ici. Donc on peut aller voir ce qui se passe et en plus on a des récompenses. Ah oui non, si c'est le lion, oui je me rappelle maintenant. C'est le lion, on peut faire ça. Et après on est toujours à la recherche aussi de la... on peut aller là peut-être. De la femme du culte, elle. Crisis. On est toujours après elle mais on sait pas où elle est partie en fait du coup. S'aventurer sur Argolis. D'accord. Ça m'aide pas des masses en fait. Mais bon, on l'a vu se diriger vers ici, donc peut-être qu'elle est là. Aussi, j'ai changé les aptitudes du personnage, j'ai reset et tout ça. Un truc bien, c'est que on peut reset genre les habilités et on peut reset les points de... Comment ça s'appelle ? Maîtrise, prestige, maîtrise. C'est séparé en fait, donc vous pouvez choisir, ça c'est cool. Donc j'ai enlevé l'attaque chargée, elle sert à rien. Je me suis plus ou moins forcé à mettre l'évanouissement là au niveau 3, même si on n'en a pas vraiment besoin. L'assassinat en ruée, je l'utilise jamais, donc je l'ai enlevé. Voilà. Et du coup, j'ai mis ce qui me restait, donc j'avais 5 points, donc j'ai mis en chasseur. Et on a 8,4% de dégâts en chasseur en plus. Donc c'est cool. Donc, yay! Voilà. Voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est quoi? C'est une grotte. Grotte de Danaos. Qu'est-ce que... What? Ils sont dans la paroi? Lieu exploré. D'accord, ok. Ouais, un peu bizarre ce qui se passe. Un peu étrange. Ah, il y a un niveau supérieur. Non, même pas. Non, c'est juste une sortie, en fait. Hein. Bizarre. Très bizarre. Oh la vache, tu fais exprès ou quoi? Ah, putain. Bon, du coup on a vraiment fini? Ouais, du coup on a vraiment fini. Là il y a une ville, on peut aller la voir. Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé dans la grotte, mais bon. Ah, c'est peut-être les... Les loups et les lions là qui se sont mis sur la gueule en fait. Peut-être. Peut-être.
dire une ville. Un petit village ou alors c'est juste un camp de bandits? Non, ah non, d'accord, ok. Non, pas du tout. C'est un campement militaire. Cet endroit sera en alerte. Du coup, ouais. Je suis un peu à la bourre, hein, mais bon. Qu'est-ce que je fais? Sérieux là? Putain, tu... Ok, très bien. Ouais, bon, c'était pas fameux, hein. On a fait un peu n'importe quoi. Ça arrive. Ça arrive des fois, c'est pas grave. Bon bah du coup on fait quoi nous? Qu'est-ce qu'il y a encore? On s'en fout. Je sais pas trop ce que c'est. On va voir vite fait. On va voir vite fait. Ça doit être des coffres dans l'eau, imagine. Le problème, c'est que c'est vachement loin en fait des côtes, donc. Il va me falloir mon bateau. Ouais, on verra ça. Bon, ben on va faire le lion spécial là. Némé, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Est-ce que on peut passer Allez. Par là? Non, on peut pas. Ça aussi, maintenant, je me rappelle qu'on avait une quête, là. On avait commencé par le sanglier. Ça s'était super bien passé, hein. Je m'en rappelle encore. Ça m'a pas traumatisé du tout. Ça s'était super bien passé. Et on a beaucoup, en fait, d'animaux comme ça, légendaires, à faire. Je me rappelle plus trop de la récompense, par contre. Vu de personne. Allez. Oui. Tout va bien. Je vais piétiner vos cadavres. Ah.
Nouvelle quête, chemin dangereux. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est tout? Ah, mais c'était juste un camp en fait, ok, j'ai rien dit. Je pensais qu'il y avait quelque chose à faire. Pourquoi la musique se déclenche comme ça? Parce qu'on est proche d'un... de ça? Vu qu'on est proche de ça aussi, on va faire comme ça. On y va. Lion de Némé. Pas qu'il invoque des... qu'il appelle à l'aide, quoi. Merde, il a bougé. Je crois qu'il y en a d'autres. Ouais. D'accord, bien joué. Quand il fait un grognement, ça me repousse, quoi. Allez, merci. Bon, ben voilà. Oh, on a vraiment fini la quête, ça y est, c'était le dernier. Y a rien d'autre. Ah, y a un coffre. Avec rien d'intéressant, c'est bien. Ah là là, cassez-vous. C'est un peu tard hein, pour aider votre pote. Un tout petit peu tard. Allez. Alors, j'ai vu qu'on avait une quête. Oh, j'ai mal aux yeux. Alors. On a ça, un chemin dangereux. On l'a découvert en tuant les gens au camp, là. Donc on va faire ça. Mais après, ouais, on a une quête qu'on a finie, apparemment. Donc là... les lions, là. Enfin, les animaux légendaires, apparemment, on a fini.
Ah, ils se sont fait attaquer par des loups. Okay. Besoin d'un peu d'aide, mon ami? J'aimerais me rendre à une fête dans la cité. Ce genre d'événement attire toujours des gens intéressants. Qu'est-ce qui t'en empêche? Les brigands, bien sûr. Ils se sont installés près de la route et s'attaquent aux personnes fortunées qui vont à la fête. Et sans parler des bêtes sauvages qui vivent dans toute la région. Et tu veux que j'envoie tout ce monde chez Hadès? Tous les brigands doivent mourir. Tu acceptes, Mystios? Tu peux dire que tu as de la chance. C'est déjà réglé. Tu as mis en œuvre de grandes choses. Prends ceci en remerciement. Ouais. J'ai un bon équipage, mais il nous manque quelqu'un ayant tes talents. J'aimerais te prendre à bord. Qu'est-ce que tu en dis? Partir d'ici et naviguer avec toi? Comment pourrait-on laisser passer ça? J'ai besoin de tes talents, que je connais pas du tout. Au passage. Que je connais pas du tout. Je sais pas ce que tu fais, on se connaît à peine. J'ai envie de dire, on se connaît même pas. Alors... Corps. Waouh, elle est grise. C'est la première fois qu'on a une grise comme ça. Oh la vache. C'est chaud, quoi. Le plus bas, c'était bleu. Elle en a rien. Elle fait rien. Non, c'est... Ah. Magnifique. Magnifique. Ah, c'est magnifique. C'est moi ou... Ok. Une chèvre en feu. L'aurore est venue. Ah ouais. Avance. Oh, un char dans le... Si je veux éviter un combat, je dois... Ah, ok. Je comprends mieux. Allez, vite. Ressens la colère. Oh putain, c'est quoi cette vue? Jouer. Tu n'as pas le droit d'être là. Mais qui est? Très bien. Ah oui, j'ai pas le temps qui ralentit quand je saute. Genre le truc qu'on a jamais utilisé. Et bah voilà. Allez, Spartiate, on se casse. Alors du coup, on est un peu bloqué. Je sais pas où elle est, l'autre. Je sais pas du tout où elle est partie. Ah tiens, on a des points là. Vue de percée, il y a aussi là. Ouais, faudrait peut-être aller là. Bah du coup, on va réfléchir à ce qu'on va faire après. Je dirais qu'on va... On essaye de se reconcentrer sur l'histoire principale. Je pense.
Crisis, on la reverra sûrement un jour ou l'autre. On la reverra sûrement un jour ou l'autre, hein, dans une quête ou j'en sais rien. Ah, on la cherchera activement. On va faire ligne droite. Mais ouais, on va aller se reconcentrer sur l'histoire principale encore. Mais c'est pas mal. On pourrait aller récupérer la quête aussi, mais je crois que c'est loin. Je crois qu'il faut aller très, très loin. Des animaux légendaires. Ça, c'est un peu emmerdant, ça. Ça, c'est un peu la merde. On va aller loin. Pam, 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 pam. Okay, très bien. On devrait prendre celle-là aussi, tant qu'on est sur le continent. Je vais voir un peu maintenant les quêtes. Alors, regagner Athènes. Après, la quête finie, c'était... Contrat Akira au Fokir. Akira 3. De ça. Après, on a... Les sauces spartiates. On a les pots. Ah oui, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On sait pas ce que c'est, ça, par contre. Bah tiens, ça m'intrigue un peu. On peut peut-être faire ça. Ah, mais attends, c'est pas fini. Non, on n'a pas fini, en fait. Non, 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 on n'a vraiment pas fini. Ok, il y a un taureau, un sanglier, un loup. Encore un sanglier. Oh, super, on va s'amuser. Et une hyène. D'accord. Bah, on est... Non, 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 ça va. On peut encore... On peut la laisser de côté encore, en fait, cette quête. Pas besoin de se faire chier. Je vais pas aller chercher les animaux, parce que honnêtement, c'est pas super intéressant. On les fait quand ils sont à côté, quoi. Voilà, point barre. T'sais. On va pas aller les chercher, parce que c'est pas... Voilà, l'équipement est pas vraiment... Ça me dit rien de plus. Et on va faire ça du coup. On va aller prendre cette vue là-bas, puis après on retourne à Athènes du coup. Allez. Et après, voilà, on est bon, on repart sur de l'aventure. Faites-moi sortir d'ici. C'est ce que j'ai entendu. Promets de trouver qui a fait ça. Allez. Attends, c'est quoi ce bordel ici? Rien, je vis quoi, bande de connards, hein, qu'est-ce que vous avez? Valeur personnelle. C'est un peu étrange. Donc du coup on a une autre quête qui s'est débloquée. Putain. Bah tiens, c'est juste à côté, ça.
Là, parce que le mec, il disait... un truc un peu spécial. What the fuck? What the fuck? Pardon. Apparemment, je suis mauvais archer. C'est bon, je l'ai sauvé. Ah, j'ai pas sauvé ton copain devant, par contre. En construction. Eh, donne-moi ma récompense. Une mystios pourra-t-elle te rendre service, étrangère? La guerre a transformé cette ville. Cette nuit, on m'a volé mes gains de la décade. Ça ne m'étonne pas. Oui, mais c'est sûrement l'œuvre des bandits de la ville. Leur saleté de chef les incite à s'attaquer aux Etaïr. S'ils pensent qu'on va se laisser faire... Alors tu veux que je tue jusqu'au dernier de ces brigands? Oui, Mystios. La mort, sans exception. Les dieux te sourient. C'est déjà fait. Tu as mis en œuvre de grandes choses. Prends ceci en remerciement. Merci. Merci. Ben merci, merci. Alors, du coup, comme j'ai dit, donc, on retourne à Athènes. Donc, bateau par là. Phobos, tu peux revenir d'entre les morts, s'il te plaît? Voilà, suffit de demander. Tout va bien. Tout va bien. Il y a un forgeron pas loin. Oh, on s'en fout. Hein, wow. Allez, on lève l'ancre. Paré à partir. Capitaine, le revoilà. J'ai vu qu'il y avait quelque chose à récupérer, là on va le faire. Même si encore une fois c'est pas mon kiff, mais... Ouais, c'est là. C'est là ? Pas exactement. Mais pas exactement au bon endroit. Rejoignons le large. Moins vite, les rames. Doucement, doucement, doucement. Le capitaine quitte le pont. On doit avoir encore des requins qui se baladent. Thank you.
moi qui... Ah, on est pas mal ici. Ah la putain quoi. Putain de merde quoi. Il est chaud parce que... Ah quand même. Mais vas-y, montre-moi ta vie quoi. Ah bah putain. C'est pas mal ici en fait sur le l'avant là, comme ça. Je vais avoir un problème avec lui. Ouais. Ok, très bien. Alors, j'aime pas faire ça. Pourquoi ils ont mis ça? Pourquoi ils ont mis ce système? C'est débile. 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 C'est méga profond. C'est à rien d'aller sous l'eau. Il n'y a rien en plus dans l'eau d'intéressant. Il n'y a rien. Pas aller sous l'eau. Pas aller sous l'eau. Il n'y a que des bestioles. Dégueulasse. Tu veux que je fasse le deuxième aussi? On va peut-être remonter. On va peut-être remonter. Mon Dieu, je déteste ça. Y'a personne qui veut m'aider sur le bateau, sérieux. On peut sauvegarder? Non, on peut pas sauvegarder. Ah si. Putain, donc il me faut le deuxième coffre aussi. Il y a des habits. Pourquoi il y a des maisons, des vestiges de maisons et tout ça? C'est ça que je comprends pas en fait. Il n'y a pas eu de... Ah, ils ont beaucoup de volcans en activité, enfin bref. Entre l'époque et maintenant je veux dire. Il y a eu des volcans et tout ça, mais après de... Y a... Ça n'a jamais été enseveli par l'eau non plus quoi. Donc, je sais pas. Ouais, que je me renseigne. Alors. Bon, bah, go Athènes. Hein. Alors, il y a Hydrea qui a l'air intéressant, mais on a dit que. On a dit qu'on voulait se concentrer. Sur l'histoire. Parti. Ah, il y a un peu trop de choses dans l'eau, en fait, je trouve. On a un sale temps. Tempête. Eh bien,
sont un peu beaucoup là en fait, non? C'est un spécial lui. Ouais non, laisse tomber. Oh merde. Ah, là c'est pas bon là. Ah, là j'avoue que oui. Ah ouais, non là j'avoue que c'était une erreur de ma part là. Ah la musique et tout, elle est cool. Par contre, il m'intrigue lui hein. Pourquoi il a une voile sombre par rapport aux autres et pourquoi il est légendaire? Première fois qu'on entend cette musique quand on fait du combat là. Bon. À la revoyure. On peut s'arrêter là ou pas? Non. Attention, le capitaine quitte la barre. Pousse-toi, merci. Voilà, on est de retour à Athènes. Proche. En Attique, déjà. Pardon. J'aime bien quand il pleut et tout ça, il y a plein de flaques et tout. Enfin, c'est bien fait, j'aime bien. Tout est mouillé, glissant. C'est cool. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai un charge? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Pourquoi on a un chargement comme ça? Genre quand on s'approche? Une cinématique? Ah oui. Waouh! Ça m'a fait un peu peur là sur le coup. Que se passe-t-il? Ah. Pourquoi tout est gris comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, vous êtes fait attaquer par les Spartiates? Nouvelle quête, abandon divin. Ouais, là on est en pleine rue de... Ah, mais ils se sont fait défoncer par les Spartiates peut-être. Hippocrate, tu es là, parfait. Parfait. Regarde autour de toi, Athènes se meurt. Il n'y a vraiment rien à faire. Ou alors c'est la peste. J'essaye d'apaiser les souffrances quand je le peux. Ce sont les excrétions des victimes qui propagent la peste. J'en suis certain. Ah, putain, c'est ça. Il faut brûler les corps. J'ai toujours admiré ta compassion envers ceux qui souffrent. Malheureusement, je n'ai qu'elle à offrir. Les dieux m'ont révélé combien j'étais devenu arrogant. Nous ne sommes que des mortels. Les dieux aiment bien nous le rappeler.
J'ai besoin d'aide pour brûler les corps, Cassandra. Des fanatiques arpentent les rues et essayent de m'en empêcher. Quels fanatiques ? Les disciples d'Arès. Pour ces crétins superstitieux, brûler les morts est un sacrilège, et ils s'en sont pris à moi. Tu imagines ? Je n'ai pas peur de ces disciples d'Arès. Je vais t'aider à brûler les corps. Oh ben ça va ? On peut faire ça ? Yes, on peut faire ça. T'as ça tue. Ah, on les brûle. On les brûle rapide pour nous en plus. Attends, c'est quoi qui m'attaque ? Oh putain, le chien. Toi aussi, tu brûles. Toi aussi. Voilà. Toi aussi, t'en veux ? Oh putain, le chien qui a plein de vie. Alors j'imagine qu'on est censé les brûler avec la torche et tout ça, quoi. Genre. Mais bon. Ah, mais les chiens, ça leur appartient. Toi aussi, t'en veux ? Alors. Ah, j'avoue que c'est un peu n'importe quoi, quand même. Ah, on est censé les ramasser et les mettre dans le feu, en fait. On est censé ramasser les corps et juste les foutre... Ah, ça va plus vite comme ça. Bon, bah c'est bon. Ouais, ça va plus vite comme ça. Eh, c'est... Comment dire ? Faut aller rapide, hein, faut être rapide, parce que là c'est sévère, hein, le problème. Oh. Donc, faut une réaction rapide pour sauver le Athènes. Cassandra, tu es revenue. Désolée, je dois filer. Attends, où est-ce... Je vais revenir. On se verra chez Aspasia. Parfois, je me dis que tu me ressembles trop. D'accord, tout ça pour ça. Pourquoi se cachent-ils dans leur demeure au lieu de remettre de... Je ne m'attendais pas à te voir. Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang ? Tu excites la fureur de cette foule. Ça ? Oh, ce n'est rien. Je vais rendre sa grandeur à Athènes. Ouais, c'est peut-être pas le moment. Sachez que Périclès est malade. J'aime bien le fait que tout soit un peu grisâtre. Pour dire que tout le monde est malade et tout. Ah, comment on rentre ? Oui, mais tout le monde a mal. Moi, j'ai mal à mon cœur. Aspasia. Oh, Cassandra. Tu es de retour à Athènes. Ce qu'il reste d'Athènes. Le monde que nous avons bâti s'effondre à nos pieds. C'est aussi bruyant qu'un champ de bataille là-bas, et aussi violent. Il réclame la tête de Périclès, comme s'il pouvait apporter une réponse à ce désastre. Personne ne sait comment affronter la fin du monde. Je suis venu te parler. J'ai appris des choses sur ma mère. Son nom, celui de son navire. Cassandra, ce n'est pas le moment. J'allais le dire. Périclès est mourant. Il refuse de me voir. Il ne laisse même pas entrer Hippocrate. Il ne parle que d'une chose, aller dans son précieux Parthénon. Oh. Si je suis revenue à Athènes, c'est pour te parler de Myrine. Ta mère verra le soleil se lever. Celui que j'aime sera mort avant ce soir. Ouais, tu passeras beaucoup d'autres nuits avec lui. Moi, j'ai toujours dormi seule. Oh. Wow. Périclès a besoin qu'on le soigne, mais il refuse de me laisser entrer. Il te respecte. Ouais, tu me l'as déjà dit deux fois. Tu veux bien aller le voir ? Je peux essayer. Si tu le fais, je prendrai le temps de parler avec toi de ta mère. Ah, évidemment. Pour l'instant, il a besoin de ton aide. Alors, j'irai.
Aïe. J'aime bien le fait qu'on a essayé de forcer le truc. Non, mais c'est pas notre problème. Vas-y, arrête avec ton Périclès. En fait, on est quand même un peu obligé de le faire. Non, par contre, j'ai toujours du mal à trouver l'endroit pour monter, en fait. C'était où les escaliers? Je crois que ça, c'est la cuisine. Non. Pas du tout, en fait. Ça, c'est la cuisine. Non, ça, c'est la poterie. Non, on n'est pas du tout où je crois... où est-ce qu'on est. Bon, on va faire comme ça, ça va plus vite. Vous faites chier, hein, avec vos escaliers. Faites des ascenseurs. Je t'ai dit... C'est Cassandra. Bien. Entre. Je suis gêné que quelqu'un d'aussi fort me voit dans cet état. Tu fais peine à voir. Je dois reconnaître que tu n'es plus toi-même. Je ne me sens plus moi-même non plus. J'ai apporté tes remèdes. Ah, oui. D'ordinaire, c'est Phoebe qui s'en charge. Au moins, je suis en vie. Je ne peux pas en dire autant de la cité. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Eh bien, elle va appartenir à Cléon. Il lui reviendra de la rétablir en sa gloire. J'aimerais la voir de mes propres yeux. Viens, allons sur le balcon. Ça rappelle une pandémie. Tout a changé. Non ? Je ne parviens même plus à me tenir debout pour regarder la mort dans les yeux. Tu guériras plus vite si tu t'en remets à Hippocrate. Mon heure est venue. La peste frappe sans distinction. Je crains d'avoir délaissé Athènes. Son peuple. Aspasia. Non, c'est faux. C'est gentil. Mais j'ai échoué. Aspasia a besoin d'être protégée, comme Athènes. Je pensais avoir offert suffisamment à Athéna, mais il semble que non. Je devrais être là-bas, dans les rues. Tu te ferais tuer. La foule est en rage et Cléon ne fait rien pour la calmer. Les dieux soient loués. Cléon ne me verra pas ainsi. Et c'est bien la seule chose que les dieux font pour moi. Ils m'ont tourné le dos. Alors... Les dieux ont bien abandonné Athènes. Je la reconnais à peine. On dirait le Tartare. Le sort d'Athènes est scellé. Le Tartare. Il ne nous reste qu'à attendre. Tu devrais rentrer. Tu dois te reposer. Je devrais plutôt aller au Parthénon, mon legs le plus précieux à Athènes. Il nous faut la bénédiction des dieux. Mais Aspasia... Aspasia a raison. C'est vrai. Souvent. Mais pas cette fois. Oui. Je vais rentrer. Merci, Cassandra. Dis à mon Aspasia que je serai sage et que je prendrai mes remèdes. Je lui dirai. Waouh, tout ça pour... Pour ça, merci. Bon, vous pouvez arrêter de mourir, là, et répondre à mes questions, Noméo. Périclès a accepté de me voir, et même de prendre ses remèdes. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Phoebe devrait déjà être rentrée. Je l'ai vue dans la foule à l'extérieur. Tu l'as envoyée quelque part ? Elle est allée voir Anastasios pour trouver un bateau. Dès que Périclès aura repris des forces, nous quitterons Athènes. Il le faut. Mais elle n'est pas revenue. Je suis sûre qu'elle va bien. La gamine, il faut la prendre sur notre bateau. Hein. Aspasia, il y a la peste. Tu as vu les rues ? Ce n'est qu'une enfant. Reconnais au moins ses talents. Elle est plus coriace que je ne l'étais à son âge. J'ai dit à Périclès que le culte était à Athènes. C'est devenu dangereux. Le culte ? J'ai cru que la maladie le faisait délirer. Je vais aller la chercher. Où est la maison d'Anastasios ? De l'autre côté de l'Odéon de Périclès. Kéré. Kéré. Arrêtez de me tousser dessus, là. T'es encore heureux qu'on porte une armure. Et les rues virent au rouge. Bon, elle est où la gamine ?
Tiens, on va faire un tour. On va faire un tour au forgeron, vite fait. Wow. What? Oh. Ah, voilà. Ok, on peut pas sortir d'Athènes, en fait. Ok, ça marche. Ça fait un peu peur, quand même, hein, leur système. Je veux pas dire, mais... Ça fait un légèrement peur, leur mur, à chaque fois, là. On est 52. Pourquoi c'est aussi du chien? Attends, j'ai bien Spartiate. Ok, ok. j'ai bien augmenté la bonne armure, l'armure qu'on utilise. Quoi. Eh ben... Ah, ce menu de merde, c'est ouf quand même. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de pause au forgeron. Bah, ça fait deux niveaux parce que on était niveau 50. Enfin, tout notre équipement était 50. Demande-moi tout ce que tu voudras. Qu'est-ce que du bois? Du bois et ça. Oh putain, ça fait cher. On prend le reste ou pas? Ah oui, peut-être ça. Enfin, peut-être un peu tout en fait. Ah, c'est bon. Merci d'être venu. De rien. Fais attention aux murs démoniaques qui nous empêchent de sortir de la ville. Ouais, si je regardais un peu où on doit aller, parce que là... Du coup... Bah du coup, tu me dis rien, en fait. La maison d'Anastasios est dans le sud-est du Grand Athènes. Sa maison est à l'est d'un théâtre. Sud-est. Sud-est. Ah, ça c'est le théâtre, sûrement. À l'est d'un théâtre. Ça doit être ça. Oh wow. Oh, ils ont essayé de faire des sacrifices et tout ça. Ça aussi, ça aide pas de laisser pourrir les carcasses, c'est pas malin. Non, c'est peut-être pas une maison, ça. Ça doit être assez proche. Ouais. Ça a l'air d'être là. Eh, hey, on avait bien. Hein. On était très proche. Hein. Attends. Voilà. Oh les dieux. Wow. Que s'est-il passé ici? Ouais, alors, ils sont pas morts de la peste. Hein. Putain. Quelle cruauté. Tout ça pour envoyer un message.
Deimos est en train de mettre sa menace à exécution. Deimos. Heureusement, Phoebe n'était pas ici. J'espère qu'elle va bien. Oh, ah, c'est des mecs du culte. Phoebe, non ! Hé ! Arrêtez ! Oh, ils l'ont tué. Phoebe ! Oh, ils l'ont tué. Je vais garder sa tête. Oh merde, j'ai merdé. Ah, j'ai complètement merdé. J'ai complètement merdé, j'avais... Pardon. J'avais ciblé la mauvaise personne avec la masse. Du coup, j'ai pas pu. Ils ont tué la gamine. Je l'avais dit plusieurs fois de l'envoyer sur notre bateau, hein, de pas la laisser travailler pour les autres. Gaïa, notre mère douce, je te salue. Ah bah ça c'est triste. Pardonne-moi. C'est bien fait, ses yeux et tout ça. On voit bien qu'elle est en pleurs. Mais bon. J'avais dit... Cassandra, tout va bien ? Il faut que je voie Aspasia. Nous devons d'abord trouver Périclès. Il a disparu. Je me fous de ça ! Dis-moi où est Aspasia ? Cassandra ! Oh, pardon. Phoebe. Aspasia est partie chercher Périclès au Parthénon. Elle devrait s'y trouver. Il vaudrait mieux qu'on l'accompagne. Tu as raison, mon ami. Tu as raison. Elle a des... Elle a des problèmes du... de... d'émotion, quand même. Aspasia connaissait le danger, mais elle t'a quand même envoyé. Je suis désolée, Phoebe. Tu ne méritais pas ça. Bon, du coup, on va tuer Aspasia. Bah, honnêtement, s'il y a là... Il y a... S'il y a l'option, pourquoi pas. Vu que... Notre Cassandra aime bien devenir complètement cinglée de temps en temps. Après, elle a ses raisons, attention. Je dis pas qu'elle a pas de raison, mais bon... Genre, des fois, les... Limite du bipolaire, quand même. Genre, elle est très calme. Mais c'est ça qui est marrant, en fait. C'est le doublage qui est comme ça. C'est que c'est très calme. Puis, des fois, elle gueule. C'est... Ça rend la chose... Pas comique, genre, dans le mauvais sens, mais... Ouais, ça, c'est... marrant. J'aime bien. Bon. Ah, bah tiens, on va te défoncer la gueule. Te voilà, Cassandra. Vite, Périclès est peut-être à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui te prend ? Phoebe est morte ! Elle est morte parce que tu l'as envoyée à ta place ! Non, c'est pas vrai ! Phoebe a voulu y aller ! Elle m'a dit que tout irait bien ! Et tu décides de croire une enfant ! Tu connais Phoebe. Quand elle a une idée en tête,
n'est pas ma faute. Pas ta faute. Tu l'as envoyée là-bas. Tu aurais dû la protéger. Je lui ai demandé de m'aider à protéger Périclès. Elle aimait tant aider les autres, Cassandra. Elle voulait t'aider, toi aussi. Bah, honnêtement, pour être franchement, elle a raison. Parce que Phoebe, elle arrête pas de désobéir et tout ça, essayer d'aider au maximum, même en désobéissant, parce qu'à un moment, elle a même désobéi à Cassandra, quand on avait fait une des missions, là. Mais ouais, on va rester genre Cassandra méchante, énervée, quoi. C'est une tragédie. Elle devrait encore être là. Naturellement. Mais tu connais les risques qu'impose une telle vie. Moi, oui. Mais Phoebe... Aspasia, tu es ici. On va pas pouvoir... Les traces de Périclès ? Faire quoi que ce soit, Aspasia. S'il est là, il prie à l'intérieur. Il a refusé de rester à l'abri chez nous. La situation empire à l'Agora. La folie frappe la ville. Agissons, nous parlerons plus tard. Périclès. Elle est importante. Allez, pour l'histoire, donc bon. Bon, qu'est-ce qui se passe, en fait ? C'est la foule qui essaye de le tuer ? Je vais détruire tout ce que... Il est là. Oh oh. Périclès. Ah, quel enfoiré. On va te brûler, vas-y. Ne mets pas sur mon chemin. Cassandra a fait quelque chose. C'est des nouveaux soldats avec ces armes-là. Tout est perdu. C'était un grand homme, peut-être encore plus que nous ne l'imaginions. Nous devons lui faire quitter Athènes. Quoi ? Prenons mon navire. Ah, il faut partir pour qu'il ne soit pas mort en vain. Jamais. Bon, bah, reste là. Ah, tu veux dire jamais il est... Jamais il sera mort en vain, ou jamais tu veux pas venir avec nous? Elles sont bizarres, ces répliques, des fois. Nous dépêcher. Reste près de moi, on ne sait jamais. Ça va, on a des Spartiates élites sur le bateau. Ah, ça serait bien qu'ils viennent nous aider, les Spartiates élites, là. Personne ne doit quitter Athènes. Ordre de Cléon. Et il exige qu'on lui amène Aspasia. Je n'irai pas. Partez. Ne les laissez pas s'en aller. Boum boum. Et que tu sais ? Voilà. Tout va bien, on peut y aller. Pourquoi vous êtes pas sur le bateau encore, putain ? Nous allons rester, Cassandra. Quoi ? Pourquoi ? Mon travail est ici. Je ne peux pas laisser les Athéniens dans cette situation. Tu n'as pas besoin de nous pour veiller sur Aspasia. Laisse-nous protéger Athènes.
Vous avez vu ce qui est arrivé à Périclès? Vous voulez qu'il vous arrive la même chose? Si tous les opposants s'en vont, le peuple ne se lèvera pas contre lui. Ici, je serai utile. Tu en es sûr? J'ai vécu en Athénien, et je mourrai en Athénien. Alors, faites quelque chose pour moi, tous les deux. Bien sûr. Retrouvez le corps de Phoïbé. Donnez-lui une sépulture décente. Tout ce qu'elle mérite, et même plus. Merci. Il faut partir, Cassandra. Hey, Spartiate, on se réveille. J'espère vous revoir tous les deux. En vie. En plus, c'est pas mal. On a des Spartiates et tout. C'est Athènes. C'est marrant, quoi. Plus on s'éloigne d'Athènes, plus le bruit diminue. Comme si la ville était paisible. C'est une belle illusion. Je suis désolée, Aspasia, pour Périclès. Et Athènes. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Pour quoi que ce soit. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour protéger le peuple. Personne ne dit le contraire, Cassandra. Nous n'avons pas su déjouer à temps les projets du culte de Cosmos. Il a frappé au pire moment, pour nous. À propos de Phoïbé. Oh non, je t'en prie. Phoïbé était sous ma responsabilité. J'aurais dû la garder auprès de moi. J'ai fait une erreur. Non. Je voulais m'excuser. Ce n'était pas ta faute. Désolée. Un meurtre de plus au crédit du culte. J'obligerai chacun d'eux à implorer ma pitié avant de les tuer. Ce moment viendra. Pour l'instant... Songeons à l'avenir. Tu as une destination? J'espérais que tu m'aiderais à choisir. Ah oui, bien sûr. Il y a cette femme. Phénix. Son navire s'appelle le Chant de la Sirène. Phénix. Oui, je connais ce nom. Aux dernières nouvelles, son navire mouillé sur l'île de Naxos. Dans ce cas, direction Naxos, pour y voir Phénix. J'aime bien le fait qu'ils aient la carte comme ça sur le bateau. Vraiment cool. Naxos, ça me dit quelque chose, non? On a fait Naxos ou pas? Ça doit être une des petites îles, là, où il y en a plein. Le capitaine est à bord! Elle est avec nous ou pas? Ah oui, elle est derrière. Elle est derrière. Les prières d'une mère. Naxos. Naxos. Ah, c'est ce que je pensais. On la connaît, la zone. D'accord, ça marche. On connaît Naxos, donc ça va. Du coup, il n'y aura pas grand chose à faire. Ça va être assez rapide. Bah, c'était sympathique de repartir sur l'histoire principale. C'est sympa. Maintenant, on a quel niveau de l'aventure on est? Est-ce que là, donc, on est en train de... Pas de rattrape... Enfin, j'en sais rien, en fait, si on la rattrape ou pas, mais... On se rapproche un peu de la mer, donc elle se fait appeler Phénix, maintenant. Elle a un bateau et tout, elle. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il tourne sur nous? Fais attention, Athénien. J'étais à l'œil. Mais ouais, on se rapproche d'elle, ouais. Petit à petit.
ça va assez rapide. Je me rappelais plus que, est-ce que c'est vrai ou pas, qu'il y a une vague de peste qui a touché Athènes? Ah, c'est fort possible. Je sais que l'île où on a commencé, il y a vraiment une vague de peste qui a duré plusieurs années. Mais oui, c'est possible qu'à Athènes aussi, il y a eu la même chose. Qu'est-ce que... Ah, des pirates! Préparez tous vos armes! On est trop proche de notre arrivée, je voudrais juste qu'ils me lâchent en fait. Retour à Naxos. Affaibli. C'est peut-être nous, ça. Peut-être nous qui avons foutu le bordel sur l'île. Excusez-moi, je passe. Sang ou changement, Phoenix doit choisir. Cet artiste a sévi partout. C'est ce que j'appelle de l'antipathie. Bon, ça fait moins longtemps. C'est l'œuvre d'un lâche. S'il le pensait vraiment, tu aurais une lame sur la gorge à cet instant. Tu as vu cette foule ? Les mots ont du pouvoir. Ils sont probablement en train d'en discuter en ce moment même. Ce rebelle cherche à attirer l'attention. Il faut que quelqu'un la lui accorde. Je suis d'accord. Et je crois que ce quelqu'un devrait être toi. Dis-moi où le trouver, et j'arrangerai ça. Regarde ce pigment. C'est une couleur très rare, et je ne connais qu'un artiste qui l'utilise. Aux dernières nouvelles, il vivait dans une grotte à la cascade de Rutsuna. Oh. Je vais m'en occuper. On ne peut pas répondre à ces provocations par la violence. Cela ne ferait que jeter de l'huile sur le feu. Si c'est ce que tu veux. Ce qu'elle veut. Phoenix cherche à se battre pour le peuple, mais pas contre lui. Mets simplement un terme à ses activités artistiques. Artistiques ? Comme tu y vas. Ça provient de celui qui a écrit ce message. Je vais l'apporter au marchand d'art. Ok. Alors toi tu m'as dit... Ah tiens, oui c'est vrai que j'avais une aptitude aussi. On va continuer à faire ça, on va pas se faire chier pour le moment. J'ai pas envie de passer 3 heures à analyser tout ce qu'on a. Attends, ça c'est Myrine. Toi, tu m'as dit d'aller donc rechercher des groupes de gens observant le graffiti. Que peut-on tirer ? J'ai des choses à te demander. Vas-y, les clients sont rares. Merci. À bientôt. Oui, et tu m'achèteras peut-être quelque chose. Ça marche. Je sais même pas ce que tu veux. Est-ce qu'il faut parler à des groupes de gens? Ah. Non, là, c'est ça, c'est toi, ça. Ah, voilà, il y en a partout. La couleur est étrange. Je devrais demander au marchand d'art où l'artiste a pu en trouver. Il nous a déjà dit. À la grotte, non? Ah, là. Pardon, excusez-moi. Je peux le coller dans la peinture. Il y a peut-être le pinceau qu'on a utilisé. Je dois demander à Agelos.
Ah oui, mais il veut pas qu'on le trouve. J'ai des choses à te demander. Vas-y. Directement. Les clients sont rares. Il veut qu'on arrête son bordel, en fait. J'ai trouvé ces fragments de roche près des graffitis. Ça te dit quelque chose ? Ça, ma chère, c'est de l'émeri. Beaucoup d'artistes l'utilisent. Mais dans cet état, elle ne fera pas briller la poterie. De l'émeri, la roche ? On en trouve sur Naxos ? On en extrait près de la cascade de Rutsuna. Oui, c'est là-bas qu'il faut y aller. J'ai vu ce pigment que sur ces graffitis. Est-ce que quelqu'un t'en a acheté ? Maintenant que tu en parles, je me souviens d'un homme qui m'a demandé cette couleur. Un seul ? D'après mes souvenirs, oui. Je n'en avais pas à disposition. Il avait l'air impatient et m'a demandé si quelqu'un d'autre en fournissait. J'ai trouvé ces poils dans la peinture des graffitis. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Beaucoup d'artistes de Naxos utilisent des poils d'animaux pour fabriquer leurs pinceaux. Et de quel animal proviennent-ils ? Trop long pour venir d'un cerf. J'ai entendu dire que certains audacieux prenaient des poils sur les ours de l'île. Pour moi, il faudra être fou. Mais avec les artistes... Merci. À bientôt. Oui, et tu m'achèteras peut-être quelque chose. Ah, ça m'a vachement avancé. Hein. Bon, elle est où la cascade ? Carrière... Je suis un peu paumé en fait sur l'histoire. Ah, attends. L'artiste est créé quelque part à Naxos. La grotte se trouve au sud-est du destin d'Ariane. C'est quoi le destin d'Ariane ? Colline, destin d'Ariane. Ok. La grotte se trouve au sud-est. Genre là. Ah, la cascade de Rostuna, c'est ça ? Bon, on va y aller. Ah, c'est tentant, c'est juste là. Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir après. Ah mon dieu, Phobos. Trop drôle. L'entrée, elle est pas dessous. Hein. Non. L'entrée, elle est là. Ok, très bien. Bonjour. On vient arrêter vos graffitis. C'est pas bien de faire des graffitis. Oh merde. Ouais, mais ça on l'a déjà fait. Mais du coup ça m'aide pas. Mais ce type d'ours, on peut... Je sais pas si on peut les avoir en fait. Ouais, non, mais on avait dit que c'était nul. Parce qu'après, ils disparaissent et tout ça. Ouais. Faut que j'arrête à chaque fois de me dire... Attends, tu me... Quoi ? Ouais, faut à chaque fois faut que j'arrête de me dire que... Ah, ça serait bien et tout. On avait testé. C'était fait chier. Et c'était pas bien. Par contre, mais qu'est-ce que je fasse ? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé ?
Ah, ok. Ah bah c'est toi, voilà. Te voilà. Je te cherche depuis un moment. Et tu es ? C'est Phoenix qui m'envoie pour mettre un terme à ta carrière artistique. Tu es là pour me tuer ? Disons que ça dépend de toi. Je t'en prie, Mystios. Phoenix est une bonne dirigeante. Tu peux lui dire, je ne suis que la main, pas la tête. Pourquoi as-tu fait ça ? On me l'a demandé, c'est une commande. Ces gens-là sont puissants. Essaie de leur dire non, tu verras. Moi, je l'aurais fait. Car je ne suis pas une larve. Mais je suis pauvre ! L'Archonte m'a promis une fortune, une montagne de drachmes. Et regarde où ça t'a mené. Je vais arrêter, je te le promets. Je n'écrirai plus rien. Si tu ne le fais pas, tu ne vivras pas vieux. Plus un seul graffiti, c'est promis. Tiens, la commande. Regarde. Bon, c'est terminé. Tu n'entendras plus parler de moi. T'as raison. Ta-ta-da-ta-da-ta-da. On dirait qu'il s'est fait bouffer par un ours. En feu. Ah, il s'est fait malencontreusement bouffer par un ours en feu. C'est rare hein, que ça arrive, mais ça arrive de temps en temps. Bon ben voilà. Voilà, on peut continuer. Alors j'ai vu que c'était... c'était protégé. Il s'amuse bien ici. C'était protégé. Bonjour, ça va ? Ok. Je ne me laisserai pas intimider. Qu'on remplisse les casernes et qu'on double les patrouilles. Si c'est Paros qui les envoie, je veux être averti de leur débarquement. Oui, Archonte. Archonte, je t'en prie. Persis. Les marchands. Je comprends vos préoccupations. Mais le principal elle est heureuse. De protéger la ville et les carrières. C'est vraiment elle. Pourquoi il y a passé qui est tout le temps affiché là ? La lance, elle est bizarre. Elle est pas... Genre, elle est niveau 1. Elle est bizarre, cette cinématique. C'est quoi, c'est un rêve ou quoi ? La réunion est terminée. Fois que je ferme les yeux, je te revois tomber. Je croyais t'avoir perdu. Alexios est vivant. Ils le tiennent, n'est-ce pas ? J'ai rebâti ma vie à partir de rien. Te rends-tu compte ? Et aujourd'hui, tu me dis que tu es vivante. Que vous êtes vivant.
C'est toi. Ce n'est pas un mauvais tour joué par les dieux. Non, je t'ai retrouvé. Ton frère, nous devons le ramener. Il est déjà trop loin. Je me suis résigné une fois, mais plus jamais. Ah, ça y est. Qu'est-ce que comment tu... Comment as-tu... J'ai... beaucoup de questions. Moi aussi, je crois. Mais... vas-y, je tâcherai de te répondre. Il n'y en a que deux. Je pensais qu'il y, en... y aurait genre tout l'écran, en fait. Genre, plein de questions, mais non. Je veux savoir qui est mon vrai père. Comment l'as-tu appris ? On me l'a dit. Nikolaos, tu l'as vu ? Ouais. En Mégaris, oui. Nikolaos était ton père. C'est lui qui t'a élevé. Jusqu'à ce que son devoir de Spartiate l'emporte. Il a parlé de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui ? J'ai toujours espéré que tu ne découvrirais pas la vérité. Mais il y a des choses que tu dois savoir si nous voulons en finir avec le culte. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il m'a cherché avant de rencontrer ton... Enfin, Nikolaos. Je suis sans nouvelles de lui depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, il est un peu mort. Les soldats de Paros viennent de débarquer dans la crique. Un petit détachement, une douzaine peut-être. Malaka ! Timo, rassemble les hommes. Tes questions vont devoir attendre, mon enfant. Je veux vous aider. Tu sais donc te servir de ces armes. Mieux que la dernière fois que tu m'as vu. Parfait, viens. C'est qui, Paros ? Qui nous attaque ? Paros, de l'autre côté de la baie. Ah, mais c'est le dirigeant. Pourquoi maintenant ? Paros nous a toujours causé des ennuis. Je m'attendais à une attaque, mais pas aussitôt. J'imagine qu'il n'est plus question de discuter. J'ai sûrement tué tes mecs par erreur. Enfin, j'en ai tué un. Désolé. Oh, pardon. Rapide. Pourquoi coopères-tu avec Sparte, malgré ce lourd passé ? Paros a conclu une alliance avec les Athéniens. Ça ne m'a guère laissé le choix. Il te fallait un appui. Ce qui n'était qu'une rivalité s'est transformé en guerre. Son alliance avec Athènes a fait de Naxos un agneau bon pour le sacrifice. On y va. Ouvrez les yeux ! Eh ben, avance. Ils ont fait. Bon, ça va, il y a 12 connards, on y va là. Bon. Arrête de frôler les gens. Qu'est-ce qu'on fait, on y va ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Attends. Tuer les soldats de Paros. Bah oui, allez, let's go, on y va. Hein. Oh, t'es sérieux ? Je viens de tirer sur le bois, quoi. T'es qui, toi ? Ah, il y a des mecs de Sparte. Tikaios. Bon. Olé, bien joué. Alors, ce qu'on peut faire, nous, c'est s'amuser un peu. Oh putain, je suis trop loin. Quoi. Ah mais t'es nul maman, non mais...
mais vous êtes tous nuls en fait. Par contre, je veux bien ta lance. Ces îles ont toujours été rivales. Après tout, Naxos a contrôlé Paroséandros autrefois. Et ils nous envient, nos artisans. Et maintenant ? Ils pensent mériter de s'étendre. Leur oligarque exige qu'ils déploient leurs ailes. Mais nous les couperons avant que ça n'arrive. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Tu me rappelles Nikolaos. Tu te bats comme lui, impitoyable et rusé. Il serait fier de toi. Je l'ai tué. C'est la vie qui m'a le plus appris. Quand quelqu'un veut ta tête, tu dois découvrir comment la conserver. Je vois très bien ce que tu veux dire. Non. Bon, continuons cette discussion ailleurs. Loin de l'odeur de la mort. Viens avec moi. Bah, on va pas trop prendre du temps, on va... avec les questions et tout ça. Avance. Oh, cette île est magnifique. C'est vrai, Sparte n'est rien comparé aux plages de Naxos. Sparte. La seule chose dont je me souviens, c'est le pied du mont Aigéthos. Tu étais encore petite quand je t'ai présentée à la Pythie. Elle n'a pas prédit cette vie de cauchemar. Elle a dit que tu promettais, au contraire. La Pythie ne peut pas tout prédire. Merde. Ça n'a pas explosé, vous avez de la chance. Hop, pardon. Ton général a donné l'alerte sans tarder. Timo sait que Paros est une menace. Ils ne cachent pas leur jeu. Difficile d'être plus clair qu'en envoyant des soldats. Il n'existe pas de traité. S'il y en a eu un, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, les habitants de cette île sont devenus nos ennemis. Des ennemis que je pourrais t'aider à vaincre. Nous en reparlerons plus tard. Mais je pense que c'est... Ouais. On va encore tuer des gens, quoi. Il faut contrer Paros. Quoi ? Pourquoi on s'arrête là ? Où est-ce qu'on va ? Elle aurait pu mieux ça, s'habiller quand même. Le temple prend forme, Evandros. Certes. Mais il restera en ruine si l'on n'obtient pas d'autres dons. Tout ne peut pas aller toujours aux soldats. Il le faut pourtant, si l'on ne veut pas que le temple soit détruit par l'ennemi. Mais je verrai ce que je peux faire. C'est une bonne chose de relancer la construction. Lygdamis fut un grand homme, il mérite qu'on cultive son souvenir. Son combat contre la corruption et l'oligarchie est une leçon à garder en mémoire. J'ai l'intention d'achever ce temple. Merci, Phénix. Ok. Ça me fait une belle jambe. Ça a été une journée peu banale. Mais une bonne journée. J'en ai connu de pire, oui. Moi aussi. Tu es devenue une femme remarquable. Mais je sens le poids du fardeau que tu portes. Il s'est allégé depuis que je t'ai trouvée. J'en suis heureuse. Mais je me demande pourquoi les dieux ont choisi de nous réunir. Que nous fassions disparaître le culte, à jamais. J'aimerais que ce soit aussi simple. Tu es forte, mais nous n'y arriverons pas seuls. C'est au culte que nous devons nos souffrances. Et d'autres subiront le même sort, si nous n'agissons pas. J'ai laissé cette vie derrière moi quand j'ai quitté Sparte. Aujourd'hui, mon souci, c'est Naxos. Alors laisse-moi t'aider. Quand Naxos sera hors de danger, nous traquerons le culte ensemble. Mais elle a dit qu'elle voulait pas. Le banquet est sur le point de commencer. Par les dieux. Désolée, mon enfant, j'avais oublié. Prépare les chevaux, je ne vais pas tarder. Le banquet ? Je dois montrer au peuple que celle qui le dirigeait forte et à son poste. Il faut parfois porter un masque d'assurance, malgré l'incertitude qui règne derrière le masque. Je t'aiderai à combattre. Mais avant de quitter Naxos,
Je dois m'assurer que l'île ne craint rien en mon absence. Bon, ben, j'ai rien dit. De quelle manière ? Il faut s'occuper de Paros. Nous devons affaiblir sa position. Sa vulnérabilité la poussera à l'imprudence, et c'est là que nous frapperons. Et comment comptes-tu faire ? Nous devons amener la flotte de Paros à nous attaquer et la détruire. Mais je n'ai plus d'amiral. Eneas s'est rendu à Paros pour des pourparlers de paix. Et il n'est jamais revenu. Ne t'en fais pas. Je vais le retrouver. Si tu as besoin de moi, je serai au banquet. Mais essaie de paraître moins martial si tu viens me rendre visite. What the fuck? Eh, tes mecs, ils sont pas sympas ici, hein. Voilà. Ouais, c'est bon, on est plus recherché au moins. Ça, c'est sûrement à cause du mec que j'ai tué, en fait. Ça, c'est sûrement ça. Bon, on va aller au banquet. C'est là, le banquet. Oui, pardon. Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit. Ces tueurs sont les meilleurs. Tu ne dois plus paraître en public. Ils vont te trouver. J'ai parfaitement compris. Mais je dois me montrer. Le propagandiste a bien fait son travail. J'ai besoin d'autres soutiens pour attaquer Paros. J'ai déjà vu trop de gens mourir. Je t'en prie, quitte cet endroit. Aspasia ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Cassandra, regarde bien cette assemblée. J'ai joué le jeu, tu réagis plusieurs. Je vous ai interrompu. Je vous en prie, reprenez votre discussion. Ça a l'air fascinant. Je venais de dire à ta mère que les meilleurs hommes du culte la cherchaient et que cet endroit est trop exposé. Et j'ai répondu à Aspasia que je devais apparaître en public afin de conserver l'appui des habitants. Tu veux que je m'occupe des hommes du culte ? Pas seulement. Sans preuve, la population ne croira pas à l'implication de Paros. Il faut que tu la trouves. Entendu. Bien. De mon côté, je vais faire en sorte de m'assurer des soutiens. Fais attention, ils sont dangereux. Je sais. Je vais veiller à sa sécurité. Bon, bah, c'est bon, bah, tout le monde est content, alors. Bien sûr. Je serai ravi de vous aider. Je vous retrouverai plus tard. Peu importe l'origine de cette information. Tu sais pourtant que je ne suis... Bon, bah, vous vous amusez au banquet. L'un protège l'autre et l'autre protège l'un. Et nous, on va tuer les gens du culte. Bah, ça va, c'est bien. Ça n'a pas trop changé, en fait. Bon, faut qu'on s'occupe de Paros, là. Get ton pas. Oh là 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 là. Alors, le paradis perdu. Trouver et libérer Aeneas. Réduire les moyens de Paros. Donc, c'est quoi? Piller les coffres, travailleurs pillés, détruire les ravitaillements de guerre, tuer les soldats athéniens. Ça marche. Trouver et éliminer les tueurs. Les tueurs se cachent à Naxos. Il s'agit peut-être depuis des grottes situées au nord de Krieg de Zeus. Le repère se trouve vraiment dans la grotte du Mont Zas. Oh là là. Le navire a été envoyé dans la mission. Okay. On peut faire ça, déjà. En plus, on connaît la zone, donc on a déjà fait tout le truc, donc ça va aller assez vite. On va juste faire de point A à point B à chaque fois. Alors, donc à Naxos, au nord de la crique de Zeus. La crique de Zeus. Crique de Zeus. Le repère se trouve probablement dans la grotte. Ok, ça marche. Et nous, on est parti. On fait toujours le sale boulot, quoi. On va tuer les tueurs, quoi. Pourvu que personne ne me remarque. Ah. Bon, on s'en fout. On a déjà tout fait ici, donc... C'est pas Naxos où on avait la pirate, là. Non, c'est pas celle-là. C'est pas la même île.
Et hop là. Ah, il y avait le... L'entrée d'une grotte. Ils sont là-dedans. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bonjour, on vient vous tuer. Voilà. Des drachmes portant toutes le sceau de Paros et une lettre rédigée en code. Une lettre rédigée en code. Comme si c'était des assassins envoyés en mission. Bon, ça c'est fait. Ah, il me tarde hein, de trouver plus de parties de l'armure spartiate. Vous savez, plus je... On fait extrêmement mal à l'arc, hein, on est d'accord. Mais plus j'avance et plus j'ai envie de faire le bourrin. Bourrin en mêlée, moi. Mais bon. Dans un sens, je me dis que ça va pas vraiment être très très différent que de maintenant. Je pense que l'arc rend tout plus facile, en fait. Alors, vu la façon dont les ennemis bougent et tout ça, et la façon dont ce qu'ils font. Alors, après on a... Les coffres, détruire les ravitaillements de guerre, tuer les soldats athéniens. Genre, mets le coffre public d'ici. Enfin, on sait que chose, ma femme appelée Marine, avant sa venue en courant, il existe des rumeurs à propos de sa brève mais sanglante carrière de contrebandière pour Xenia, la reine des pirates, mais le monde entier connaissait la rue de Finistère Nexus. Okay. Je comprends pas la quête là. Piller les moyens de Paros. Du coup, c'est quoi? C'est où Paros? Ah oui, c'est là. Ah oui, non, j'ai rien dit en fait, c'est là Paros. C'est pas un mec, c'est une île. Moi, je pensais que dans un sens, il parlait d'un mec, en fait. Mais non, en fait, c'est l'île elle-même. Trouver, libérer... Alors, navire a été envoyé en mission à diplomatie de Paros. Il a mouillé au large de la plage au nord-est de l'Élysée du sculpteur. Nord-est. Genre, ici, tu veux dire? Ou alors, tu veux dire là? Je redis ça. Il a mouillé au large de la plage au nord-est de l'Élysée du sculpteur. Ah, voilà, oui, non, mais c'est ça en fait, l'Élysée du sculpteur. Je vais...
nord-est. Donc là, du coup. Ok. Ouais, du coup, en fait, on part, quoi. Bon, bah, du coup, on va rendre la quête droit en ville. Et puis après, on va à Paros directement et on va défoncer Paros. Voilà. Tout simplement. On va mettre le feu à Paros. Parapente. Faites pas attention à moi. J'ai désactivé ma quête. Ah voilà. Mama, on a tué les tueurs. Les hommes du culte ont été payés en drachmes de Paros. Eh bien, je ne pouvais rêver de meilleures preuves. La situation est claire maintenant. Apporte ça à la guilde des marchands. Dis-leur que c'est la preuve promise et qu'ils peuvent garder toutes les pièces. D'accord. Il y avait ça aussi. J'imagine qu'il s'agit de leurs ordres. Je connais, c'est un ancien dialecte. Les adeptes du culte doivent l'utiliser pour communiquer. Tu arrives à le lire ? Cet argent ne vient pas de Silanos. Il vient de quelqu'un de Sparte. C'est impossible. Je peux te le traduire, mais ces ordres viennent d'un roi spartiate. L'aristocratie spartiate s'est toujours opposée au culte. Le culte ressemble à l'eau. Il se glisse dans la moindre faille. Sparte s'est toujours opposée à la corruption. Elle a changé depuis notre époque. La corruption se répand partout, comme le dit Aspasia, même à Sparte. Elle prône la discipline à travers tout le monde grec, mais elle pourrit de l'intérieur. Sparte se trompe d'ennemis. Oh là là. Je resterai spartiate. Et toi aussi. Oh, vraiment? J'ai des devoirs ici. Il faut contrer Paros. Mais ensuite, oui, je rentrerai. Que de longs discours. Est-ce que ça va me donner des gens, indice sur Adept? Yes! Ah, vous gérez. Vas-y, c'est qui? Nous détruirons vos statues! Nous brûlerons vos temples s'il le faut, pour éliminer les immondes rongeurs que vous êtes! Donc le mec à Paros, c'est un mec du cul. Bon, c'est pas vraiment très étonnant, honnêtement. Silanos a longtemps cherché les origines de la lignée avant de découvrir que Myrine dirigeait Naxos. En remerciement, le culte s'est débarrassé du dirigeant de Paros, l'île sœur de Naxos, laissant cette place libre pour Silanos. Afin d'éviter les soupçons, Silanos s'est présenté comme un polémarque athénien. Il a alors entamé les préparatifs de son coup suivant, éliminer Marine et s'emparer de son île. Yes! J'en étais sûr, ok, très bien. 6% de probabilité critique, ça tue. Yes. Plus de trucs spartiates, moi ça me plaît ça. C'est ce qu'il nous faut. Attends, qu'est-ce que... Non, j'arrive. Très bien. N'inquiète pas, Paros, on arrive. Ah putain, Paros c'est l'île. Silanos, on arrive. Du coup, c'est ouf. Ah putain, on est là. Pardon, on fait que passer.
Alors, faut trouver un des hommes de Myrin, enfin de Phoenix, qui a été envoyé là-bas et viens, te revoilà, mettre le feu à Paros. Qu'est-ce qui s'est passé sur Naxos? Tu as trouvé ta mère? Je l'ai trouvée, la base. Magnifique. Nous allons enfin pouvoir nous reposer. Non. J'ai de mauvaises nouvelles. Nous savons que l'équipe du cosmos pervertit tout ce qui touche. Désormais, il tient Sparrow. Il forcera le monde grec à s'entretuer jusqu'au retour des âges sombres. Je m'arrête. Alors c'est un Sparrow. Merci, Don. Préparez la marrage. Donc du coup, ce bateau-là, c'est sûrement le celui qu'on recherche. Bateau échoué là. Ou pas. Oui. C'est ça. Eh, hey, on a bien géré. C'est ça. Ça, c'est un peu le bon côté d'avoir tout fait déjà. Sur ces petites îles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es le seul survivant? Ils ont fait des prisonniers, mais j'étais trop gravement blessé pour qu'on m'emmène à Paros. Qu'est-ce qui s'est passé? On est à Paros. On venait discuter de paix avec Paros. Ils nous ont attaqués. Et Aeneas, ton capitaine? Ils l'ont pris. Si Paros le tient, où est-il? En riant, ils ont dit qu'ils l'attacheraient en haut de la carrière. Pour que le soleil le ramollisse. Ça marche, on y va. Je vais le ramener. Et venge-nous. Ah. Le cliché où le mec attendait de dire sa dernière phrase. Enfin, nous dire à nous sa phrase. Et après, il meurt. Alors, la carrière. En haut de la carrière. Carrière du marbre. Let's go. Bien. Mieux vaut éviter de se faire voir. On l'avait défoncé cette carrière. Voilà Aeneas. Il est en piteux état. On l'avait je m'en rappelle en plus. Je crois qu'on avait un peu lutté, non? Ou pas? Chut, je suis pas là. Je mets le feu au signal. C'est toi. Ah, elle peut pas. Putain, elle peut pas enjamber ça. Pas enjamber là, le petit passage. Je suis libre. Comment pourrais-je te remercier? Je sais pas, va tuer des Athéniens.
Oui. Boop. Ah, très bien. Ah, ils sont trop loin. Ah, l'autre, il faut le porter ou pas? Ah non, il... Tu n'es pas facile à tuer, toi. Je savais qu'elle ne m'abandonnerait pas. Vite, partons d'ici. Ça marche. Bon, avant ça, on doit tuer tout le monde. Pour faire chier... Pour faire chier l'île. Ah, coffre. C'est ça qu'il nous faut. C'est ça que je cherchais, en fait. Le coffre... le bordel. Les remerciements. C'est marrant là, c'est marrant. Quoi Malaka? Oh, il est mort ce con. Il est mort cet abruti. Sans déconner, il est mort. Je vais être honnête, je pensais qu'il était invincible. Parce qu'il fait un peu partie de l'histoire. Je viens de me faire défoncer. Non, sans déconner. Bon. Allez, non, mais les armes lentes, hein, les armes lourdes, hein, c'est pas bien. Hein. C'est vraiment pas bien. Ah, ça va me gaver. Ça... Oh non, on va tout refaire. Oh, non, me dis pas qu'il faut tout refaire. Oh mon dieu. Bon, bah le bon côté des choses, c'est qu'on va pouvoir sauver le machin, sauver le mec. Oh là là. De toute façon, j'allais pas recommencer, hein, comme je dis. Hein, si des fois ça se passe mal, c'est pas la première. Première mission qu'on fail. Hein, c'est pas, c'est... Donc, recommencer, je le ferai pas, mais. C'était pas prévu de mourir. Bon, par contre, on va s'arrêter là, du coup. Ah, et on continuera ça la prochaine fois. On a qu'à dormir. Ouais. On va continuer ça la prochaine fois. Oh, je suis un peu dégoûté là. En plus, c'est pas les Athéniens qui m'ont tué, hein. C'est un chasseur de primes. C'est un putain de mystios, quoi. C'est chiant. Bon, c'est pas grave. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao!